s'il en est question dans les journaux que vous avez parcourus cette nuit. Mais c'est curieux, ce changement de saison avec ces grippes et ces rhumes à répétition. On en reparlera. On commence par quoi ? Bonjour William, bonjour à tous. Il y a des jours comme ça où il n'y a pas de une de quotidien qui se rejoignent. Des jours où l'actu nous arrive éparpillée façon puzzle, ne laissant d'autre choix à votre serviteur que de se lancer dans un inventaire à l'après-verre. Alors allons-y avec, au hasard, la une de l'équipe. Que de regrets, c'est le moins que l'on puisse écrire. Après la défaite du Paris Saint-Germain hier à Madrid, on a vu un PSG de très haut niveau, dominateur, mais oublieux d'une règle de base au foot. Pour gagner, il faut marquer des buts. Et hier, ils ont tiré sur la barre, sur les poteaux, un peu à côté, jamais dans les filets. Ce qui fait écrire à Vincent Duluc, l'éditorialiste de l'équipe, que cette équipe-là, au fond, trimballe toujours autant d'espoir que de doute. Alors c'est sûr, pendant qu'on est devant la télé à regarder le Paris Saint-Germain, on ne prend pas le temps de faire des bébés. C'est le choix éditorial du Parisien aujourd'hui. Figurez-vous qu'il n'y a jamais eu aussi peu de naissances en France depuis 1999. Qu'est-ce qui se passe ? Ça n'empêche pas, cela dit, la France de conserver sa première place sur le podium européen de la fécondité, 1,99, alors que la moyenne européenne est de 1,55. Mais on fait moins d'enfants. Nous devançons cependant l'Irlande et la Suède. Alors vous me disiez, qu'est-ce qui se passe ? Comment expliquer cette tendance ? Il y a ce qu'on appelle le report de maternité. Vous savez, les femmes accouchent de plus en plus tard. Il y a la politique familiale, elle est moins généreuse. Et il y a, bien sûr, la crise économique. Et là, hop, sans transition, on va glisser sur la une des Échos qui relaie une étude de l'INSEE sur la carte du chômage dans le pays. Je rappelle que la moyenne en France métropolitaine est de 9,9%. Mais vous le voyez, ça cache des disparités régionales, où vous auriez dû le voir avec la carte de France. En tout cas, c'est plus compliqué dans le Nord-Pas-de-Calais, en Normandie, en Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine et puis dans le sud que dans le reste du pays. Alors l'emploi, le chômage, une préoccupation quasi quotidienne pour l'humanité qui nous explique ce matin comment les proconsuls, c'est le terme de l'humanité, les proconsuls de Bruxelles se piquent de faire la loi en France. Alors cette fois-ci, ça concerne les concessions hydroélectriques. En gros, les barrages. La Commission européenne veut que la France les mette en vente au nom de la concurrence libre et non faussée, ce qui n'est qu'une concurrence non libre et totalement faussée pour l'humanité, pour le journal communiste. L'enjeu pour Bruxelles, c'est d'en finir avec le service public et ça, c'est difficilement acceptable. C'est très intéressant à lire parce qu'on voit en quels termes la Commission européenne s'adresse au gouvernement français. Elle lui donne du monsieur le ministre. Elle lui explique que selon l'article X, alinéa Y, paragraphe Z du traité de fonctionnement de l'Union européenne, eh bien, il va falloir que ça change. Et si vous êtes un tantinet souverainiste, eh bien, il y a de quoi s'étrangler en lisant ce matin l'Humanité. On parlait de l'INSEE et du chômage tout à l'heure. L'INSEE s'est aussi penché sur le niveau de vie des Français l'an dernier. Le choc fiscal a ébranlé 8 Français sur 10, selon l'opinion, qui estime que les foyers gagnants sont enregistrés une hausse du niveau de vie de 1 à 3 euros par mois et par personne. Pour l'opinion, l'étude de l'INSEE met à mal l'illusion d'une hausse d'impôts qui n'aurait touché que les riches puisqu'elle a affecté des familles ayant un revenu annuel de 50 000 euros. Le Figaro poursuit de son côté son Hollande bashing, cette bonne guerre, en estimant que la réforme du Code du travail est un pétard mouillé et que les forces et que l'autorité de l'État n'est plus qu'un leurre, reprenant ainsi le discours de Nicolas Sarkozy. Libération continue aussi sa contre-programmation éditoriale, avec à la une la sortie du film Le Fils de Saul. Et puis La Croix nous parle en long, en large et en travers des scandales qui ébranlent actuellement le Vatican, et notamment l'argent destiné aux pauvres qui aurait été détourné au profit du niveau de vie de certains prélats. À la suite de deux livres, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont traduits en français. Deux livres qui sont récemment sortis, l'un s'appelle Avarice et l'autre, j'ai oublié le titre, mais je vous le donnerai dès que l'occasion se présentera. Ils existent, on en parlera tout à l'heure lors de la deuxième revue de presse. Merci beaucoup.